mythique route Napoléon. Aussi célèbre que la route 66 aux États-Unis, la RN85 attire les motards du monde entier. Tous passent par Grasse, mais peu s'y arrêtent. La ville n'est pas adaptée aux amateurs de grosses cylindrées. Comme elle est toute en sens unique, en montée-descente, on a tendance à la traverser sans s'y arrêter. En fait, on se rend compte une fois qu'on en est sorti que « Ah, on en est sorti !» Donc on s'arrête, mais on est en bas. Et puis il faut se dire qu'il faut tout remonter à pied, parce que c'est quand même une ville médiévale, donc elle est en escarpe. Un enfer. Alors pour faciliter le stationnement des motos, 48 places de parking entièrement gratuites viennent d'être inaugurées au cœur de la ville. La mairie espère ainsi attirer plus de motards. Il y a les touristes qui descendent du nord de l'Europe jusqu'à Grasse et c'était dommage de ne pas les capter. On voyait qu'ils ne s'arrêtaient pas. Et aujourd'hui, la volonté, c'est de faire un stop à Grasse et qu'ils puissent s'arrêter, prendre un café, déambuler sur la place aux airs, partager un moment. Pour voyager léger, deux consignes à casque, elles aussi gratuites, ont été installées. Peu importe le lieu, que ce soit le centre commercial, la voie publique, où on veut se restaurer, boire un coup, peu importe, le casque c'est vraiment contraignant parce que ça encombre quand même une main entière. Donc voilà, nous, notre solution, elle est là pour les libérer et se sentir l'esprit tranquille. L'opération de séduction ne s'arrête pas là. Les conducteurs de deux roues pourront prochainement déposer leurs sacs et leurs blousons dans une consigne sécurisée.